madame. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Aïe, est-ce que c'est Babotak? Vous, quand on dit on ne dort pas dans ce pays, vous continuez à dormir. Il dit, chaque jour on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier, vous vous dormez encore. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Asseyez-vous bien, je vais vous parler. Journal télévisé. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images. Asseyez-vous. On va venir faire le débrief. Bonjour, bonsoir et bienvenue, Yedi. Aujourd'hui, on va commencer ce journal des affairés avec une icône qui nous a laissé trop tôt. Ça me fait mal feu, DJ Arafat. Il allait fêter un an de plus s'il n'y avait pas eu. Son bébé est tombé. Dans un accident de moto. Je dis c'est pas possible. Non, 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 non. Vraiment, ça fait mal. Sinon, cette année, il aurait eu 36 ans. C'est-à-dire tous les influenceurs qui étaient proches de DJ Arafat ont publié, même ses anciennes go, Carmen Sama, Emma Lo... Non. Mon cher. Voilà. Attends. Ok. Aïe, le réseau là des Orange et ses amis là des même pour appeler encore là-bas là, vous n'avez pas réseau. Eh, allô, allô, yalo. Voilà, faut t'asseoir. Il y a beaucoup de choses à te dire. Hein? Je dis, hein, tu vois ta Emma Lolo là. Ta Emma Lolo. Emma Lolo, tu l'as oublié déjà ou bien? Aïe, il a dit son affaire de mariage avec VG Dream là. Je dis, si je t'explique, tu vas me dire que c'est fou. De la manière, elle nous a donné travail avec. Nous seuls, on dit, c'est mariage. Nous seuls, on dit, c'est pas mariage. Nous seuls, on dit, c'est documentaire. Il y a d'autres qui disent que c'est documentaire des baleines. Je sais pas. Non, hein, c'est pas moi. Hein. Compris, si c'est un documentaire sur la gestation des baleines grises du Groenland, I don't know anymore. C'était moi, il dit, mais il a oublié. Hippo, hippo. Hein? d'accord, mais mon cher, toi-même, il fallait les voir. Il porte même habit. Même couleur vacances, comme s'ils sont à Ozo pour aller danser. Anniversaire des enfants, ils sont là-bas. Photos de famille, où ils sont assis ensemble. Et quand ils ne savent plus, même si toi-même tu étais là, hein, ça là, si tu étais là, il y a longtemps, tu avais clashé VG Dream. Il allait partir, il allait rentrer chez lui. Hein? Il allait. Il était dit, il allait sortir la démarche comme les Algériens pour rentrer en France. Mais en fin de compte, c'était un genre de clip. Tiens, VG Dream a annoncé son album, en fait. Hein, c'est ça. Sinon, il n'y avait rien de grave. Elle m'a dit que c'est elle qui définit les règles du jeu. Donc, il ne sait pas, peut-être qu'ils sont mariés. Mais ils n'ont pas montré beaucoup. Sinon, normalement, ils ont montré sa maman, ils ont montré les gens, tout ça là. Donc, moi, il a dit que, en tout cas, vous êtes mariés. Vous avez fait d'autres. Quand vous avez fini le clip là, non, vous allez nous montrer la vraie version. On va nous montrer la vraie version. Mais ce que vous oubliez aussi dans le clip là, c'est Emma Louès qui est maman de choses, de VG Dream. Et puis Drogba est le papa. Elle a dit que. Que Emma et Drogba. Non, je crois pas. Non, 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 non. Entends, Ulysse, la fille qui te fatiguait là. Elle aussi est ténor. Ton petit, ton bon petit ténor là. Et on espère seulement que c'est pas clipo. Ah. Oui, oui. D'accord. Donc, bon. Voilà. Au revoir. Ah, c'est bon. Aïe. Au revoir. Et puis, bon anniversaire. Happy birthday. Toujours dans les anniversaires. Aujourd'hui. Encore, c'est l'anniversaire de Conny Touré. Ça fait 20 ans qu'elle a 20 ans. Donc, si on calcule bien, elle a 40 ans. En tout cas, la tortille, elle est fraîche. Donc, cette femme, elle a du talent dans son corps. Elle est actrice, animatrice, chanteuse. Je sais plus, je sais pas si elle est danseuse en tout cas. Mais force à toi. Force à toi et continue de nous enjailler. On aime ça. Un autre anniversaire, la fille de Makoso. On dit qu'elle a 18 ans aujourd'hui. Elle a 18 ans. On dirait depuis hier. La chasse est ouverte. Messieurs, la chasse est ouverte. Les Camerounais là, freinez. Vous n'avez pas dit que vous aimez ça. Elle n'a que 18 ans. Ok, merci beaucoup. Parlons de foot. Parce que de la manière dont je suis habillé. Regardez. Parlons de foot. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a le match contre l'Égypte. Et tenez-vous bien. Quand j'y pense hier, là, mais on a groupé sans aucune pitié sur les Camerounais. Et nos beaux frères préférés. Vous savez, vous mettez les organes pour rien. C'est un jeu, comme l'a dit Makoso. Si les peuples camerounais, certains ont été blessés par des vidéos et autres, sachez que nous là, nous sommes en train, nous sommes dans la compétition.
Nous sommes en train de jouer. Nous sommes en train de compétir avec vous. Nous sommes en train de jouer avec vos nerfs. Nous sommes en train de vous amener à rentrer dans la colère pour commettre des fautes, pour que nous remportons la CAN. C'est un jeu. Ne prenez pas ça à cœur. Nous sommes en train de jouer aussi sur les réseaux sociaux. La compétition est lancée. Quand Makoso finit sa vidéo, il y a Steve Offa qui doit me répondre. Ensuite, Lolo Beauté va attaquer. Et puis, c'est ça la compétition. Ne mettons pas la haine là-dedans. Ça, je le dis bien. Ne mettons pas la haine là-dedans. C'est un jeu. C'est une compétition. Et à la fin de cette compétition, il y aura un seul vainqueur. Le Cameroun sait, la Côte d'Ivoire sait que c'est nous, la Côte d'Ivoire, qui serons les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon voilà. Qu'on vous a soutenu sur des problèmes plus graves, même si souvent on vous attache, vous savez que vous et nous, c'est jusqu'à la Guéa. Vous et nous, et jusqu'à la Guéa. Oh yé yé, oh yé yé. Même votre Kribi l'étoile filante, je ne sais pas, elle-même, elle a dit ça. Les Ivoiriens nous ont souvent défendus sur des sujets primordiaux. Parce que, attention aux mots, hein. Aujourd'hui, on est en train de dire aux Ivoiriens qui sont nos frères africains de ne pas se mêler de nos problèmes. Les Camerounais ont dit ça, les Ivoiriens vont aussi dire ça. Quand les étrangers vont venir nous diviser, on va appeler qui? Donc, ne vous fâchez pas. Hein? Quand ils voient Cameroun, c'est monsieur, madame, on se classe au moment, mais on est dedans. Aïe! Mais pour hier, c'est moi là, à cette dosée. Les Camerounais étaient fâchés. Ils se sont fâchés, oh. Mani Bella s'est fâché. Nathalie Croix s'est fâchée. Elles ont commencé à porter habit des Égyptiens. Hein? Est-ce que vous avez fini d'apprendre l'hymne national là? Apprenez l'hymne national aussi. Hein? Yakoé, l'eau batterie. Quelle eau batterie? Tout de suite là. Il y a un passé. Donc apprenez l'hymne national aussi. Ça va beaucoup vous servir. Nous sommes allés voir des coups de chant. Les Camerounais sont allés prendre des coups de chant pour venir chanter l'hymne national de l'Égypte sur le terrain. Donc, allons-y, reportage. Bonjour, c'est ici la coup là, non? C'est l'hymne national de l'Égypte. Oui, oui, c'est ici on apprend l'hymne national là. Tu as ton argent? Oui, 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 il y a mes 10 000 là. Il y a mes 10 000. 15 minutes. Ok. Donc, tu es prêt? Je suis prête. J'espère que tu es prête. Oui. Faut bien t'asseoir. Tu as assise. Vas-y, voilà. Non, on va commencer le coup. Après, il m'a porté mon habit de pharaon. Okay, allons-y. 1, 2, 3. Biladi, biladi, biladi. La kiroubi, wafouhadi. Biladi, biladi, biladi. La kiroubi, wafouhadi. Coucou là. Attends tout. C'est en français. C'est en arabe seulement. Comment ça? Il n'y a pas français. Tu dis Égypte. Tu es chanté en français. Il n'y a pas qu'on pète mon teint. D'accord, au revoir. Qu'est-ce que tu dis? Parfait. Ingrédient. Aïe. Ce qui est sûr, on vous excuse si on vous a blessé. On va augmenter un peu la dose encore. Là, comme ça, vous allez vous habituer. Donc, comme vous le savez, Côte d'Ivoire joue à 15h55. 15h55, actuellement, là, on ne joue pas contre. L'Égypte, on joue contre la Camégyptale, c'est-à-dire Cameroun, Égypte, Algérie, les trois combinés sur nous. Vous n'avez pas honte. Assurez à quoi? La honte. Donc, vous voulez vous venger des attachements qu'on a fait là? Ah oui, vous aussi. En tout cas, vos habits d'Égypte que vous avez portés là, priez qu'il ne faut pas avoir gagné. Si on a gagné là, on va partir vous déposer au musée à Djassoua. Vous connaissez le musée à Djassoua? C'est là-bas, on met tous les masques ivoiriens. Maintenant, vous les joueurs, là, pardonnez. Pardonnez. Jouez bien. Pardonnez. Jouez bien, oh. Hey, Allah Massa. J'imagine. Pronostic que je donne, quel pronostic, même. En tout cas, le pronostic, c'est le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Hey, match, là. On va regarder ça comme ça. Hey, j'ai déjà mal à la tête. Et puis, j'espère que ce n'est pas l'arbitre, là. L'arbitre, là. C'est pas habit que nous, si vous nous envoyez des sinon on est mort. En tout cas, de toutes les manières, quand même on a raté ça beaucoup de fois. Aïe! Quel que soit le résultat, nous on va nien. Quel que soit le résultat, nous on va nien. Personne ne peut avoir le monopole de l'attachement sur nous. Nous-mêmes, on va commencer à s'attacher. Là, on va voir comment vous allez nous attacher. Vous savez que Côte d'Ivoire. Nous et vous, la Cameroun, là, nous sommes des jumeaux dans l'âme. On a même comportement. Comportement mazo, là. On a ça. Hey.
Donc, ce que je peux vous dire là, nous les Ivoiriens, nous sommes les défenseurs des gens, des sans-voix. Tu vois, non? C'est-à-dire ceux qu'on sait qui n'ont pas force là. On vient, on parle dans leur affaire. Sinon, c'est pas que... Mettez pas les organes, s'il vous plaît. Même Tom et Jerry, ils se battent quand ils sont toujours ensemble. Sinon, pourquoi Tom ne fuit pas pour dire qu'il ne veut plus voir Jerry? C'est parce qu'on est Tom et Jerry. Donc, on est dedans. Bisous là-bas pour vous. Mouah. On vous adore. Aïe. Bon, on espère que on va gagner l'Égypte aujourd'hui. On va gagner le Maroc en quart. En demi-finale, on se rencontrer. Parce que vous, je sais que vous allez partir qu'en demi-finale. On se rencontre là-bas. On doit vous gagner. C'est la partie là qu'on attend. Hey! Donc voilà, c'est un peu le journal d'aujourd'hui là. Mais, Allah, mon cœur bat. Wallah, mon cœur bat. Mais on va terminer ce journal avec un artiste qui a un petit message pour les Camerounais. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Quel que soit les résultats, nous vagnons. Quel que soit le résultat, nous vagnons. Quel que soit le résultat, nous vagnons. Si vous voulez, apprenez l'hymne d'Égypte, nous on va nouer. Si vous voulez, portez les habits, oh, allez vous asseoir dans, comme des momies. Oh. Si vous voulez, attachez-nous, nous on va nouer. Déjà même, on va commencer à s'attacher nous-mêmes. Oh. Si on a fini de s'attacher, c'est quoi même vous allez attacher encore? Eh, Gabri Moué, est-ce qu'il peut mourir en Koué? Oh, eh, quel que soit le résultat, oué, nous on va allez, si tu n'es pas content, si t'es trop fâché, là-bas.